Je constate qu'hélas, il n'existe pas de méthode qui apprenne à rater sa vie. Heureusement, des experts internationaux lousériens conseillent un manuel de sous-développement personnel. Or, grâce à cette méthode de pensée négative, alors vous deviendrez rapidement un familier de la poisse, un éternel perdant et un loser chronique. Ces épreuves que vous vous infligerez plusieurs fois par jour vous donneront enfin les clés de l'échec. De défaite en déroute, de galère en naufrage, vous vivrez un enfer que vous n'aviez pu craindre même dans vos pires cauchemars. Et surtout, ne vous rassurez pas. Les malheurs qui vous arriveront ne seront rien par rapport à ceux bien pires qui vous attendront. Alors, dans vos rares fréquentations, privilégiez les personnes déprimées avec des problèmes d'argent, de travail, de santé, de couple, de solitude, de poids, de voiture et qui se plaignent sans arrêt et à juste titre. Et surtout, alors, laissez-vous aller. Négligez-vous. Ne remplissez aucun papier. Ne réglez surtout ni vos factures, ni vos impôts. Ne rangez rien. Et vous verrez, rien ne s'arrangera. Or, quand à la surprise générale, vous avez le moral. Alors, petit conseil, relisez plusieurs fois de suite et à voix haute les passages les plus tristes du roman le plus noir d'Émile Zola. N'aimez pas les autres. Et soyez bien conscient qu'eux aussi ne vous aiment pas. Ne vous aimez pas vous-même. Et réciproquement. Quand vous êtes seul, dites-vous de bien que c'est un soulagement pour les autres que de ne pas avoir à vous supporter. Soyez lucide et négatif en n'ayant aucune confiance en vous et suivez les conseils de cet uluberlu qui préconise de remplacer les 5 fruits et légumes par jour par 5 plats bien gras par repas. Et je conclurai gaiement en vous imitant Bill Gates, homme d'affaires américain et informaticien très aisé. Donc, je me retourne et je me grime. Bill Gates, jeune. N'ayez pas peur de la réussite, elle n'arrivera pas. Voilà.